voulu aller au commissaire Morgan à l'appareil. Quoi? D'accord, on arrive tout de suite. Jade! Oui? On a une urgence. Ok, on y va. Jade, c'est à toi maintenant. Je l'ai fait la dernière fois. Fichu manque de budget. Bonjour. Conduisez-nous immédiatement sur la scène de crime. Allez tout de suite, madame. Allez. Comment ça se fait qu'il y ait autant de monde? Personne ne les a empêchés de venir? On dirait des charognards. Commissaire, avez-vous une déclaration pour la presse? Je n'ai rien à dire, laissez-nous travailler. Elle est bien énervée, la commissaire Morgan. Bonjour. 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 Voici le cadavre. Nous l'avons découvert sous le tas des faits. Nos agents l'ont dégagé en faisant bien attention de ne pas toucher le corps. Vous avez pensé à prendre des photos? Je ne sais pas, il faudra vérifier. Étant donné qu'il était sous le tas de feuilles et qu'il n'y avait pas beaucoup de sang, il n'est certainement pas mort ici. L'autopsie nous le confirmera. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé une carte d'identité. Il s'appelle Nicolas Falmel. Elle était dans un portefeuille en cuir dans lequel il y avait une carte de visite et une feuille blanche. On a sans doute déjà l'identité de la victime, c'est un bon début. D'autres éléments? Je n'ai rien trouvé sur la feuille blanche. Je vais la transmettre à Sean pour qu'il l'analyse. De mon côté, j'ai examiné la blessure où j'ai trouvé des vers ou des larves. Il y avait également à l'arrière de sa veste un liquide rouge, sûrement du sang, et quelques gouttes de sang assez éparpillées les unes des autres en direction du parking. Des vers? Il doit être mort depuis un certain temps. Il va falloir les envoyer rapidement au labo. Très bien, ce sera fait. J'ai trouvé une clé USB dans sa poche, des cheveux sur sa veste et un bout de verre non loin de sa tête. Avez-vous trouvé du sang à l'avant du corps? Non, j'ai partiellement retourné le corps et je n'ai rien vu. Nous vous le reconfirmerons quand nous l'emmènerons à la morgue. Anna, nous vous confions le corps de ce Nicolas Falmel. Je vais effectuer l'autopsie dès que le corps sera parti. La blessure semble avoir été provoquée par un coup. Il n'y a pas de trace de l'autre côté de la tête, ce n'est donc pas une blessure par balle. Les larves semblent bien indiquer que le corps est là depuis un certain temps. Il va falloir interroger Monsieur Ngas au plus vite pour en savoir plus. Convoquez-les demain. Ok. Certainement, il n'a plus rien à voir.